Yo tout le monde, ça dans ce vidéo pronostic du match Atlético Madrid-Juventus qui se déroulera ce mercredi pour la Ligue des Champions. Et donc voilà. Alors par rapport à ce match-là, si je fais une vidéo là-dessus, c'est parce que j'ai fait un sondage dans la communauté où je vous ai proposé trois solutions. Donc soit PSG à Madrid, soit Atlético Juventus, ou soit les deux. Vous avez décidé de prendre Atlético Juventus. Et c'est vrai que finalement, je vous comprends. Depuis, ça m'a un petit peu étonné parce que dans les commentaires aussi, il y a beaucoup de gens qui me le disaient. Mais finalement, je vous ai compris parce qu'en fait, côté PSG Real Madrid, il y a quand même beaucoup de blessés du côté du PSG. Du côté du Real Madrid aussi, il y a quelques blessés. Alors qu'à Atlético Juventus, il y aura toutes les stars qui sont présentes. On aura le fameux duel entre João Félix et Cristiano Ronaldo qui fait saliver un petit peu tout le monde. Et donc voilà quoi, c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc comme je vous le dis à chaque fois, quand je pronostique un match en phase de groupe, ce que je fais, c'est que j'analyse un petit peu l'état de forme de l'Atlético Madrid, l'équipe qui est à domicile. Puis celui de la Juventus, et après je donne mon pronostic avec mon score exact. Et donc voilà, dans le commentaire aussi, donnez-moi votre pronostic, comment vous voyez le match, votre score exact, et donc voilà. Par rapport donc à Atlético Madrid, leur état de forme, c'est pas la grande folie parce qu'ils ont quand même perdu leur dernier match 2-0, et avant ça, ils avaient gagné à la dernière minute. Donc voilà, quoi, c'est pas un Atlético qui roule sur tout le monde. En fait, ils ont recruté beaucoup de joueurs, ils sont très bien renforcés, ils ont perdu aussi beaucoup de joueurs, c'est vrai. Mais je pense qu'il leur faudra un petit peu de temps pour que les joueurs s'adaptent un petit peu, pour que les joueurs arrivent à combiner entre eux, parce qu'il y a quand même beaucoup de changements. Et voilà, il faut toujours un petit peu de temps hein, quand il y a beaucoup de changements comme ça. Je pense surtout à cause de ça, puis ça, ils ont perdu leur Real Sociedad à l'extérieur. On sait que c'est une équipe compliquée à jouer. Faut quand même perdre 2-0, c'est assez compliqué, mais voilà quoi. Je pense que l'Atlético Madrid, il leur faudra un petit peu de temps pour se mettre bien dans la compétition en pas encore en championnat, mais même en Ligue des Champions. Et après, par exemple, João Félix, il faudra bien qu'il s'adapte aussi. Quand João Félix sera bien adapté, enchaînera des bons matchs, là, bien sûr, ça sera une autre histoire. Et donc voilà. Après, par rapport à l'état de forme de Madrid, je trouve quand même que c'est pas, voilà, quoi, c'est pas encore incroyable. Il leur faudra, comme je dis, un petit peu de temps. Et je pense qu'ils sont pas encore vraiment prêts pour jouer des gros matchs. Mais quand on compare avec l'état de forme de la Juventus, vous allez voir que c'est un peu similaire. Parce que la Juventus aussi, ils ont fait un match nul 0-0. Face à Naples, ils avaient gagné avant ça, mais c'était très serré. Je pense même que Naples aurait peut-être pu mériter. Ils avaient failli faire une remontada. Ils ont marqué en toute fin de match sur un but CC de Koulibaly. Mais voilà, quoi, ça prouve qu'ils étaient pas, ils ont pas gagné largement, vraiment pas du tout. Et donc voilà, par rapport à ça, je pense que la Juventus, c'est pas une équipe qui tourne bien actuellement. Dybala ne joue pas vraiment. Rabiot n'a pas encore vraiment eu le temps de jeu. On a une attaque composée de Ronaldo et Higuain, ce qui n'avait pas du tout fonctionné au Real Madrid. Je sais pas pourquoi Sarri a voulu absolument les remettre ensemble. Je pensais pas que Higuain aurait du temps de jeu et tout ça, mais finalement il joue. C'est assez bizarre ce qui se passe du côté de la Juventus. Il y a Danilo en tant que latéral droit. Pour moi, c'est pas un très grand latéral droit. C'est un latéral droit très bon, mais sans plus pas pour les grands matchs de Ligue des Champions. Donc je trouve cet effectif-là, il est un petit peu bizarre. J'ai l'impression que ça tente pas très bien. Après, il y a aussi Chiellini qui est blessé et De Ligt qui joue mais qui n'est pas encore à un très bon niveau. Il n'a pas encore su s'adapter tout simplement. Moi, je pense que le temps il va s'adapter très facilement à De Ligt, mais pour l'instant, il ne s'est pas encore bien adapté et il déçoit quand même beaucoup de supporters de la Juventus. Et donc voilà, moi je pense vraiment que c'est un match où les deux équipes sont pas encore au top et c'est finalement soit le match qui va débloquer la saison pour la Juventus ou pour l'Atlético Madrid, ou soit ça va être le match qui va faire que ça va toujours pas être un match nul ou quoi. Mais en tout cas, mon pronostic, moi je vois une victoire de l'Atlético Madrid 2 buts à 1 à domicile. Je pense quand même qu'ils vont le faire parce que tout simplement ils sont à domicile. Et ouais, moi je le vois clairement gagner parce que pas non plus un gros score, c'est deux équipes qui sont très très solides défensivement, donc je pense pas qu'il y aura beaucoup de buts. Déjà 2-1, ça, au début je voulais dire 1-0, finalement je me suis dit 2-1, il y a quand même Ronaldo, je pense que Ronaldo va claquer quand même un petit but en Ligue des Champions, et après voilà, l'Atlético va mettre deux buts je pense, c'est mon pronostic dans les commentaires, dites-moi le vôtre. Mais en tout cas voilà, moi je vois quand même une victoire de l'Atlético Madrid parce que tout simplement c'est surtout le fait que ce soit à domicile, le public sera derrière eux, et en plus de ça je les vois un peu plus en forme actuellement que la Juventus, même si certes ils ont perdu 2-0 alors que la Juventus n'a pas encore perdu cette saison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression, comme je l'ai dit, que ça tombe pas bien avec la Juventus, et que même cette année j'ai peut-être l'impression qu'ils pourront ne pas gagner le titre. Alors c'est peut-être un petit peu trop tôt pour parler, pour s'avancer comme ça, mais voilà, moi je vous dis clairement, je sais pas, j'ai un mauvais ressenti avec la Juventus, et donc voilà. Et puis c'est tout pour cette vidéo, je pense vraiment faire une vidéo débrief, donc en Ligue des Champions je ferai deux vidéos débrief normalement, donc mardi le match, donc Barça, enfin Dortmund-Barça, et mercredi, j'hésite encore mais je pense que je vais faire Atlético Juventus parce qu'il y a aussi PSG-Real Madrid, j'hésite encore à ce que je vais faire. Le match PSG-Real Madrid m'intéresse plus, mais vu qu'il y a plusieurs absents, tout ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc dans les commentaires, c'est pas me dire ce que vous voulez voir comme débrief, PSG-Real Madrid ou Atlético Juventus, et puis sinon moi je vous dis peace.